Yo les gars, c'est le Sunka, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon bah écoutez, pour ma part, tout va impec. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une toute petite vidéo, voilà, tout simplement parce que je pense que je vais partir en ligne faire un match amical avec cette putain d'équipe que j'ai en face de moi, avec notamment du Nani avec 5 étoiles de l'ES Technique et du Quadrado avec aussi 5 étoiles de l'ES Technique. C'est une équipe qui coûte approximativement environ 500 000 crédits, avec notamment du Higuain qui m'a coûté, donc qui coûte la moitié de l'équipe. Tout simplement, et on a 4 joueurs boost avec des liens verts partout, et là c'est vraiment une méga hybride avec 3 championnats différents. Bah écoutez, on va partir en ligne et ça va être un match détente, et puis on verra ce qu'on peut faire. Bah, évidemment, l'Inter France, c'est plutôt de ce qu'il est. Je vous dis à tout de suite, les gars. Allez, j'attends de trouver un adversaire, et puis je vous reprends juste derrière. Donc, les gars, pour une question de moyens, tout simplement, parce que voilà, j'ai pas pu commenter donc ce match. En direct, donc là on est en différé, on est tombé sur une BPL qui est intéressante. Il a une bonne BPL, je sais plus exactement quel joueur il avait, mais je sais qu'en défense c'était très rapide. Voilà, bon bah de toute façon, comme d'hab, vous verrez là, on tente des gestes techniques avant tout. Là par exemple, on est avec Quadrado et on fait la fin de coup du foulard ainsi que le Waka Waka. Là c'était la première occasion du match, la tête de Mireles, dommage. Là, le premier but avec Maicon qui finit au fond. Donc Maicon, c'est évidemment le défenseur droit de mon équipe. Très très bon joueur. Là, on tente le coup du foulard qui passe pas évidemment. Hein, faut pas trop rêver non plus. Alors là, sur cette action-là, bah, il a commencé à jouer un peu avec son gardien. Je sais pas trop ce qu'il faisait. Donc du coup, j'en ai profité pour marquer un but. Et évidemment, s'il n'y a pas de gardien et Higuain avec la finition qu'il a, ça finit au fond. Beaucoup de gestes techniques hein, dans ce match-là, c'était vraiment technique. Il y a des parfois je faisais des trucs, j'y arrivais pas. Il y en avait d'autres, j'y arrivais parfaitement bien. Bon là, je fais un geste technique plus ou moins dans le vent parce que l'adversaire était déjà parti de toute façon. Je voulais tenter d'autres choses, des nouveaux gestes techniques que je fais pas trop régulièrement, mais que je sais pourtant les faire. Tout simplement parce que j'ai pas la nécessité de les placer dans ce genre de match. Là, la seule action, l'une des seules, je crois que c'est l'une des seules actions qu'il aura donc dans ce match-là, qui lui a d'ailleurs permis de marquer. Voilà, je pense qu'il y avait faute au départ sur Nani, mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Évidemment, on est sur FIFA et c'est sans arrêt comme ça. Là, un petit skill run. Alors non, c'est pas celui-là, mais juste pour montrer à quel point, bon bah c'était l'adversaire que j'avais en face, ça restait quand même un bon défenseur. Et même si je tentais énormément de gestes techniques, il y en avait, ça passait pas forcément. Voilà, donc en plus de ça, au fur et à mesure de la rencontre, Nani, il commençait à être épuisé. Et puis là, on fait un skill run pas trop mal. Je tente le coup du foulard donc en retrait pour Higuain, et ça, c'est dommage. Elle est contrée. C'était la dernière action du match. En tout cas, les gars, j'espère que vous aimerez ce petit concept-là où je propose des matchs. Avec notamment deux skillers différents. Je vous les ai laissés quelques derniers gameplay à la fin, où j'étais notamment dans l'arène en train de faire des gestes techniques et notamment des coups du foulard. Bref, les gars, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine, sûrement pour mercredi, où je vous présenterai donc un nouveau tuto gestes techniques. Bye, les gars, et portez-vous bien.